Putain, pourquoi cette frange ne veut pas se coller sur mon front? Sérieux, j'ai un grand front. I need to hide it. Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo sur ce make-up, obviously. Avec la palette améthyste de Huda Beauty. Donc ce sera la dernière de cette série puisque je n'ai pas acheté la topaze. Puisque je la trouve un peu trop fin. J'espère que la luminosité ne sera pas trop dégueu parce que... En fait, je suis obligée de me mettre pas devant ma fenêtre, sinon ça fait tout sombre d'un coup. Donc voilà, si on veut y voir quelque chose, voilà. Je vous avoue qu'au début, je pensais que ce make-up était très mal parti. Et en fait, j'aime bien le résultat final, donc tant mieux. Mais voilà, si vous me voyez faire des têtes étranges, c'est juste que il y a des moments où j'étais là... Globalement, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je vous montre un peu plus près le make-up. Donc en gros j'ai fait un halo eyes avec la couleur que vous avez au milieu là parce que je trouve que c'est la plus belle couleur de la palette. Elle est violet avec des reflets bleus. On peut un peu voir là. Oh oui, là on voit bien. Voilà, mais en fait c'est un halo eyes soft et comment dire... Enfin, faut vraiment faire attention pour voir qu'il y a un point un petit peu plus lumineux ou... Oh putain, point lumineux au milieu parce qu'en fait c'est des couleurs qui sont j'allais dire qui sont violettes. Oui, c'est le concept de la palette. Il y a de très petites différences entre les couleurs, donc du coup c'est pour ça. Mais voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye. Whoa.